Essa viagem tem os sons da natureza como trilha sonora, vento, pássaros, passos. O Clos de la Culette Serran é o que os franceses chamam de Monopole, um vinhedo tão especial que sozinho representa uma appellation d'origine contrôlée. Entenda-se que nenhum outro vinhedo da região pode ter as mesmas características deste. Uma obra-prima da natureza com a ajuda indispensável de Nicolas Joly. Além do Monopole Clos de la Culette Serran, Nicolas Joly produz o Clos de la Bergerie e o Le Vieux Clos. Todos brancos, elaborados com a Chenin Blanc. Já nós vamos saber que Nicolas voltou os olhos para a natureza depois de passar 4 anos trabalhando no sistema financeiro em Nova York e Londres. Aos 77 anos, ele e a filha Virginie me recebem e logo me convidam para entrar. Qu'est-ce que fait venir à l'intérieur? On va voir ce que vous voulez faire, ouais. Oui. Ouais. Allez. Au revoir. Bon, tout va bien? Tout bien. Bien, et vous? Le Brésil va mieux que la France? Non. Ah, pas du tout. La France va pas très bien. Hein. Non, le Brésil, c'est pire. Hein. Ça, c'est Sirène. 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 Elle a 12 mois. 12 Pour mois. Dire bonjour, elle nous dit. 12 mois? 12 mois. Allez-y, je vous en prie. Merci. Merci bien. Allez, on va. Et la biodynamie, finalement, elle renforce le lien d'une part à l'attraction solaire, d'autre part à ces forces de gravité qui permettent aux racines de descendre. Vous voyez ? Donc, l'expérience de la nature a été très utile et plus vous avancez, plus vous êtes lié, un, à votre lieu. Il y a un esprit du lieu. Il y a des gens qui sont choqués qu'on dit ça. Chaque lieu, je dirais, a une originalité qui est conduite par un esprit du lieu. Et puis vous avez, je dirais, les subtilités du lieu. La pente qui est à l'ouest ne va pas avoir le même comportement que la pente qui est au sud. Si vous plantez de la vigne, c'est complètement différent de si vous plantez du blé. Après, j'ai appris, il faut la diversité. La monoculture, c'est un drame pour la nature. Donc, amener les animaux, refaire un paysage, donc pas que de la vigne. Garder, vous verrez, il y a des prairies que j'ai gardées où je pourrais mettre de la vigne, ça ferait du bon vin, je ne veux pas de vigne, là. Et cette diversité, je dirais, c'est comme des notes de musique qui, finalement, font une harmonie. Vous voyez, le viticulteur, c'est le chef d'orchestre. Les musiciens, c'est le paysage, c'est la vigne, c'est la diversité végétale. Bon. Et après, vous avez l'acoustique. Mettre votre lieu à l'écoute des forces de la Terre et à l'écoute des forces solaires. Et ça, c'est la biodynamie. La biodynamie, c'est de l'acoustique. Permettre à votre vigne d'entendre ce qui se passe en dessous et d'entendre ce qui se passe au-dessus. De prendre la géologie et de prendre la climatologie dans toute sa finesse. Et après, quel est le résultat de tout ça? Je vais vite. Quel est le résultat de tout ça? Quand le bourgeon minuscule du printemps est devenu des branches, des feuilles, des fleurs, et la fleur devient un fruit, il faut toujours retenir toute cette matière qui apparaît du printemps à l'automne, plusieurs tonnes par hectare. Si vous enlevez l'eau, ça s'appelle la matière sèche, la photosynthèse, c'est 94%. 94. Le sol, c'est 6%. Et donc, quand c'est... La matière vient dehors. La matière, finalement, c'est... La elle, vient du soleil, elle vient du dehors. Soleil. C'est-à-dire, la photosynthèse, c'est la conversion d'énergie en matière. Et c'est là qu'on fait le vin. C'est là qu'on fait un grand, vrai vin.
C'est là. Vous voyez, regardez. E esse é o Clô, o Monopoly que falei no início. Aqui também aconteceu a Batalha de Rochomone, quando o rei da Inglaterra menosprezou a força dos locais e se deu mal. Bataille de la Rochemoine, 1214. Ah, c'était ici la bataille. Oui, et on dit que les soldats anglais sont enterrés sur cette allée. Bon. Virginie recebeu do pai a incumbência de tocar esses vinhedos. Um desafio e tanto. Je ne sais pas si je vois ça comme un défi, dans le sens où la pratique de la biodynamie qu'on a ici depuis 40 ans, elle est évidente pour moi, je suis née avec, je connais que ça, je ne sais pas faire des vins en conventionnel ou en chimie, je ne sais pas. Donc c'est une continuité. Maintenant, est-ce que je vais arriver à le faire aussi bien que mon père? C'est effectivement une question. Et avec autant de profondeur que lui, parce que lui, il a vraiment une compréhension très, très complète. Ah ouais, il faut pas lisser. Pensez la semaine prochaine. Ah bah, je pense qu'on peut commencer cette semaine. Bah alors, écoute, on peut commencer demain. Hein. On peut commencer demain. Moi, j'aurais bien voulu qu'il termine les... Enfin, on peut le faire après, la pente du bas, l'intervent. Mais bon, on peut pas lisser avant. C'est pas... Oui. Attends, c'est pas lisse. Oui, mais pas touche. Ah, si. Je sais pas, tu vois là, elle pousse, elle fait 400 cm par jour. Alors, il faut regarder, s'ils annoncent pas de vent, c'est mieux d'attendre la semaine prochaine. Faut regarder la climatologie. Quel est votre premier souvenir d'un vignoble? Alors, c'était... Ma mère était bordelaise. Donc, on passait toutes nos vacances à Bordeaux, enfin, sur le bassin d'Arcachon, et on avait des amis qui étaient... beaucoup d'amis qui étaient viticulteurs. Mais on s'occupait pas beaucoup de la vigne. On s'occupait plutôt des filles. C'est l'époque, non? Eh ben, c'est la jeunesse, qu'est-ce que vous voulez? C'est la jeunesse. Hein. La jeunesse est merveilleuse. Ouais. Oui, elle est merveilleuse, la jeunesse. Ah, oui. Et il faut une jeunesse merveilleuse pour avoir une vieillesse heureuse. Oui. Si vous avez une jeunesse comme ça, vieux, vous êtes plein de rhumatisme, quoi, je veux dire. Bon. Par mon père, on a reçu la passion de la chasse et de la pêche. Et ça, ça m'a beaucoup rendu service plus tard pour la biodynamie. Parce qu'il faut savoir, en fonction des températures, en fonction du vent, quelle va être la migration des oiseaux, comment les anguilles vont remonter sur le fleuve. Tout ça, ça m'a appris la nature. Et sans méchanceté, les gens aujourd'hui qui se disent écologistes ne comprennent rien. Rien. Je ne sais même pas s'ils feraient la différence entre un faisan et une chouette. Vous voyez, bon. Elles sont belles. On va les voir. C'est pas loin, ça, à un kilomètre. Elles sont belles. Ce sont des vaches qui ont été disparues. C'est une espèce... Oui, il n'y avait plus. Elles étaient... Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il en restait 8. L'État protégeait rien à l'époque. Je dis, j'en prends.
prends une, puis deux, puis il m'a amené un taureau. Je n'étais pas très... En fait, tout ça est assez facile, mais je ne connaissais pas. Hein. Et maintenant, il y en a 500, donc ça va. 1000. Bon, ouais, ça va. Mais je vous les montre quand même, parce qu'elles sont très belles. On y va. On y va. Oui, c'est des vaches, quoi. C'est pas des fausses vaches de l'agriculture moderne. C'est de la vraie vache. Elles sont bien cornées, elles sont jolies. Alors, hein? Vous êtes belles. Oui, vous êtes très belles. Ouais. Alors. Oh, il y a encore de l'herbe, Nini, écoute. Tout ce qu'il faut, hein? Et toi, qui dit quoi? Ça, c'est le gros mâle, le vieux Fanfan. Alors, qu'est-ce que tu... Oh là 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 là, hein? Regardez celle-là, elle est magnifique. Hein? Oui, oui, oui. Non, non, il y a tout ce qu'il faut à manger, là, ça va. Qu'on les change de prairie, mais bon. Ils sont principalement pour le pour lait. Non, pour le... Moi, je laisse... Je prends jamais le lait, je laisse toujours les petits... Ah oui? Ça coûte de l'argent tous les ans, ça m'est égal. Ça, c'est une vache qui a 15 ans. Normalement, ils tuent les vaches à 5-6 ans. Oui. Une vieille vache vous fait toujours un produit plus sain. Et après, je vends les femelles, elles vont dans l'association. Donc ça va faire d'autres nantaises. Moi, elles sont rentrées à la maison de novembre à fin mars. Et elles me font du fumier pour les vignes. Le reste, sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Cornes vers le haut. Plus on met dedans soit de la bouse, soit de la poudre de quartz. Ça informe, je dirais. C'est un monde solaire. Chez les Égyptiens, entre les cornes de la vache, on mettait le soleil. Donc, par la corne, je dirais, vous avez des forces extraordinaires. C'est de la vache heureuse. Oui, les vaches, normalement, on leur fait produire trop de lait. Après, elles sont fatiguées, on leur donne une nourriture artificielle. Dit, on les a... Normalement, les vaches actuellement sont tuées à l'âge de 6 ans parce qu'elles ont trop produit. Je voulais travailler dans une banque américaine. Donc, j'avais laissé à Morgan Guaranty le téléphone de mes parents. Je suis parti faire donc le tour de l'Amérique du Sud avec un ami. Et tous les mois, je téléphonais en disant... Tous les mois, d'abord, j'envoyais une carte postale. Alors... de Bahia, de Rio de Janeiro, de Bogota, je fais toute l'Amérique du Sud. Quel était le budget? Le budget était $1 par jour. $1 par jour, ça marche très bien. C'était en 1970. Oui. Moi, je suis né en 45. Hein. En 70, j'avais 25 ans. $1 par jour, c'était parfait. On était deux, on avait un petit sac à dos. On s'arrêtait le soir. Est-ce qu'on peut dormir à la mairie? Est-ce qu'on peut dormir dans un restaurant? On n'a jamais eu de problème. Je me souviens de mon hamac au Machu Picchu, dans l'église. Ah oui, extraordinaire, extraordinaire. Bon, et au bout de 9 mois, alors, de Bahia, on avait pris, un peu au-dessus de Bahia, j'avais pris un petit chalutier à voile qui allait à Sainte-Lucie. Il n'avait pas d'équipement. Pour trouver Sainte-Lucie, c'était juste les étoiles. À Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, la petite île oui, de Sainte-Lucie. Aux Caraïbes. Oui, et ben, en chalutier à voile du Brésil. Jusqu'à Sainte-Lucie. On a mis peut-être 3 jours. Mais ce qui m'a frappé, il y avait juste une boussole. Mais il n'y avait pas d'électronique ni rien. Ils regardaient les étoiles un peu à gauche, un peu à droite, et boum, on arrivait sur l'île. Extraordinaire. C'était, je me souviens, ça m'avait coûté $1. Et j'avais attaché mon hamac sur le mât et sur un truc. C'était merveilleux parce que la mer était bonne. On se balançait tous. Extraordinaire. Et puis à Sainte-Lucie, je téléphone à mes parents.
Mes parents me disent, écoute, Morgan Garanti a répondu, ils veulent te prendre tout de suite. Eh ben, j'ai arrêté mon voyage. J.P. Morgan. Oui, J.P. Morgan. Oui. Ah, mon premier souvenir dans une vigne, je pense que c'est des souvenirs de vendange. Petite. J'ai commencé à vendanger comme mes enfants. Hein, dès qu'on a su tenir un peu un sécateur, alors on fait un saut, peut-être deux sauts, mais... Oui. Mais vers 4-5 ans, en vendange, j'étais dans les vignes. Et je me souviens très bien d'avoir le cheval qui tirait un traîneau. À l'époque, il y avait peu de tracteurs. Et c'était les grandes portoires qui étaient sorties avec un traîneau à cheval. Ça, je me rappelle très bien. Et puis, vers 6-7 ans, j'ai commencé à accompagner mon père à la cave, justement, le soir des vendanges, où il y avait les derniers pressoirs à vider, à mettre dans les fûts. 6-7 ans, j'ai commencé à l'accompagner pour ça. Oui. Ça, c'est un avantage avec son père. Ah oui, bien sûr. Il a bien commencé sûr. Plus tard. Et oui, ah oui, voilà. Ça, c'est sûr que je suis née avec. Oui, oui, donc, oui. Y a beaucoup de choses dans la théorie, des fonctionnements, etc., que je ne connais pas, parce que je ne les ai jamais appris. Mais par contre, j'ai appris les gestes. Et l'autre grande chance que j'ai, je pense, c'est de reprendre un domaine où, justement, il n'y a pas la conversion à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes vignerons de ma génération qui reprennent les domaines familiaux, qui ont cette fibre sensible à l'agriculture biologique ou biodynamique. Mais c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire une conversion qu'il y a 40 ans. Et moi, je reçois, tout est fait. Oui. Virginie continua caminhando ao lado de Nicolás. Aprende cada detalhe, cada segredo do que aprendeu com a própria natureza. Et combien de temps, Jopi Morgan ? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et après, alors je vais vous dire, c'est très curieux. Moi, je suis admirateur du destin. On a toujours le destin derrière nous et on ne le voit pas, on ne le comprend pas. Après, on était payé, c'était Morgan Garanti qui est une filiale de JP Morgan. On était payé très très cher. Au bout de 4 ans, il n'était plus question de rester à la banque. J'ai fait 2 ans New York, 2 ans Londres. On m'a téléphoné de New York, « Nick, you have been promoted. » I'm leaving the company. Je partais, je ne pouvais pas. Et je suis revenu ici sur un vignoble déficitaire qui perdait de l'argent. Mon père était chirurgien. Et c'est lui qui payait pour le déficit du vignoble. Ça m'était complètement égal. Je me suis installé dans le vieux monastère en bas, qui était en très mauvais état. J'ai dit à ma femme, ma future femme, j'ai dit, il n'y aura pas l'électricité. Il n'y aura pas. Et finalement, j'ai quand même mis l'électricité. Et les vignobles, c'était... Le vignoble il était... Il y avait des produits chimiques, tout. Alors, très peu, parce que ça, c'est en 76. Oui, oui, oui. L'agriculture en 76... Il y avait eu un incident. C'était après la guerre. Hein, oui, mais. Ils ont commencé les produits. Ils ont commencé, mais dans la vigne traditionnelle, c'était de l'agriculture très traditionnelle, très peu. Il y avait eu un insecticide et 2 ou 3 fois un engrais chimique. Mais à des petites doses, des 100 kilos hectares. Vous savez, l'agriculteur français, il n'était pas écologique, mais il était économe. Il ne voulait pas payer pour de l'engrais ou des produits. Et des produits. Oui, c'était ça. Et alors après, pourquoi ? Un an et demi après, un type est venu ici. Monsieur Joly, il faut essayer les désherbants. Vous allez gagner du temps. Il me fait un calcul. Vous allez gagner, je ne sais plus, 1000 francs par hectare. Vous allez être social vis-à-vis de vos employés. Oui, on peut essayer un an. Et j'ai vu,
J'ai vu les engrais chimiques qui tuaient le sol. J'ai vu la faune, les coccinelles, les petits insectes disparaître. Oui, oui. J'ai dit non, jamais plus. Et là, quelqu'un est venu me dire la biodynamie. Je sais pas pourquoi, ça m'a plu. Et j'ai commencé, sans connaître beaucoup de gens, si avec François Boucher, qui était viticulteur, qui habitait à 50 km d'ici. Et ça a été très dur. Parce que tout le monde était contre, et j'avais peur de perdre la récolte. Donc il y a eu 4-5 années très difficiles, mais j'ai continué. Mes parents recevaient des coups de téléphone en disant « Votre fils est en train de détruire le vignoble ». Enfin, tout était con. On a été classé comme secte parce qu'on pratiquait la biodynamie. C'est absolument fou. Et puis après, on va dire 6-7 ans après, le gros changement, c'était Lalou Bise-le-Roi, donc à l'époque, elle gérait la Romane et Conti, qui est venue, qui était enthousiasmée par la biodynamie. Et puis après, Anne-Claude Leflève. Et puis, peu à peu, ça a commencé à se développer. Et là, brutalement, on n'était plus une secte. On était plutôt des héros. Ah bon. Oui. Ouais, des sectes à héros. De sectes à héros, exactement. C'est un clos toujours très intéressant parce qu'il est entouré d'arbres. Quand vous arrivez pour... Les vendanges ici sont toujours prêtes 10 jours après, juste là. Parce que c'est 10 jours après. Vous arrivez le matin, il n'y a parfois que le brouillard. Et vous ne voyez rien à 3 mètres. Et puis, une heure après, ça s'est levé. C'est des très bonnes conditions de maturité. C'est ça qui crée un peu le botrytis. C'est difficile de vendanger. Oui, alors... Je ne fais plus. J'ai arrêté depuis 2 ans. Virginie fait encore. Et c'est pas facile. Ah oui. Non. C'est, ça monte encore. Mais tout ça, c'est des clos que les moines avaient plantés. Hein. C'est du moine. Oui, tout ça, c'est les moines, oui. Et il y en a un autre. Après le bois, il y a un autre clos qui s'appelait Bécherel. Et celui, c'est Coulet de Serran. Non, lui, c'est Savenière aussi. C'est les vieux clos. Ah, c'est Savenière, ouais. Les vieux clos. Et vous avez un escalier en pierre construit de tout en haut à tout en bas. Il y en a un autre qui est en bas, là. C'est... Les moines avaient du temps, ils avaient de la main-d'œuvre. Oui. C'est ça, hein. Et ils n'avaient besoin pas les soucis avec l'argent. Non. Aussi. Ah, c'était pratique. Hein. Oui, c'est pratique. Ouais. Il y a de l'argent de l'église. L'église était riche. Oui. J'ai fait mon service militaire au Canada, au Québec, comme coopérant. Je travaillais pour le ministère des institutions financières et on contrôlait les caisses de l'église. Colossalement riche. Ah, j'imagine. D'or, surtout ne faites rien au cellier. Le cellier, les choses doivent se faire d'elles-mêmes. Si vous contrôlez une fermentation, vous perdez quelque chose. La fermentation, c'est une fièvre, c'est une poussée de chaleur. La fièvre, qui est très saine, faut jamais combattre une fièvre. La fièvre permet de trouver un nouvel équilibre. La fermentation, c'est pas 2 semaines. Là, mes vins, j'ai encore des vins qui fermentent. La fermentation, c'est 6, 7, 8 mois. Et après ça... 8 mois, fermentation. Là, je fermente encore un petit peu pour 2 grammes.
C'est très long, ça doit mijoter. Regardez la cuisine. Si vous mettez une grosse flamme, elle n'est pas bonne. Oui, si vous oui. faites mijoter doucement, exactement. C'est bon. La fermentation. Donc la règle de base, si vous avez permis par une agriculture artistique, la biodynamie c'est de l'art, au bourgeon de bien devenir un raisin, il y a dans le jus toute l'information pour que tout se passe seul, naturellement, au cellier. Et donc, vous n'interférez pas. Et après, qu'est-ce que vous faites ? Une petite filtration et une mise en bouteille, c'est tout. Alors, le soufre, la question du soufre. Vous avez la famille des crucifères. Il y en a à peu près 300. Le chou, la roquette, la moutarde, etc. C'est du soufre naturel. C'est déjà moins bien de mettre le soufre sous une forme liquide. Ça marche, mais c'est moins puissant. Le soufre, c'est une flamme. Rudolf Steiner a expliqué qu'il n'y a pas d'apparition de matière sans l'aide du soufre. Donc le soufre n'est pas un ennemi. C'est l'industrie phytosanitaire qui a fait un ennemi du soufre pour vendre des produits beaucoup plus graves. Oui, 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 oui. Bon, donc, je veux dire... Le mieux, c'est la petite machine qu'a inventée Philippe Gourdon. Vous achetez du soufre volcanique, si possible. Vous avez une petite boîte avec un tuyau qui arrive, qui amorte un petit peu d'oxygène. Vous avez le soufre. Vous mettez le feu. Le soufre n'aime pas trop brûler. Donc, avec l'oxygène, il brûle. Et vous envoyez la fumée de soufre directement dans le vin, sans soutirer. Donc, il n'y a pas besoin de remuer tout. Ça, c'est très... très efficace et il y en a besoin de très peu. En principe, on n'a pas besoin de soufre. Mais quand vous envoyez du vin assez oui, loin, à tout c'est le mieux monde. De protéger. Et ce qui est intéressant, sur les vins en biodynamie, le soufre est combiné, c'est-à-dire inactif, en 24 heures. Donc, il y a une espèce de force... En 24 heures, il est inactif. Il est inactif, ouais. C'est-à-dire qu'il devient total, il y a le soufre libre qui est actif, le soufre total qui est inactif, et il devient inactif. Donc, c'est une sécurité dont on a peu besoin et qui est... Moi, j'ai vu dans des dégustations, justement, au Brésil, j'ai vu au Japon, à Tokyo, des bons viticulteurs, des très bons viticulteurs, qui ne mettaient pas de soufre, pas toujours, mais le vin avait souffert. Voir ce très bon vin qui est un peu diminué parce qu'on n'a pas voulu mettre 2 grammes de soufre, je trouve que ce n'était pas juste. Ça prend beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui, on peut agiter un drapeau biodynamiste assez facile. Ce qui est compliqué, ce qui prend du temps, c'est de l'expérience. C'est comme apprendre à faire un sport. C'est comprendre toute cette subtilité du climat, ces forces qui éteignent la vie à l'automne. Plus de vie à l'hiver, la vie qui renaît au printemps, l'aspiration du soleil qui culmine au moment du solstice d'été, c'est-à-dire les jours les plus longs de l'année. Ça, c'est... Vous pouvez utiliser tous ces mouvements, toute cette compréhension pour renforcer, je dirais, les forces qui donnent vie à la Terre. C'est ça, la biodynamie. Bio, c'est la vie. Dynamie, c'est dynamiser la vie. Ça, c'est la biodynamie. Oui, et ça, c'est extraordinaire, parce que, d'abord, c'est pas que la tête. Aujourd'hui, les diplômes, ils fabriquent des cérébraux, ils fabriquent des neurones, mais il faut le cœur. Oui. L'éducation ne donne pas le cœur, vous voyez. Oui. Et il faut la volonté, la force. La volonté, l'éducation la donne, enfin, l'enseignement, l'éducation nationale la donne pas. Je pense qu'aujourd'hui... ma génération et la génération d'après, on ne peut pas nier le problème de l'écologie. Et la viticulture est un des plus gros consommateurs de produits phytosanitaires. Donc soit effectivement, c'est égal, c'est pas grave, on continue. Bon, ça c'est des choix individuels, mais de plus en plus de gens ont quand même conscience de cette difficulté et essayent le plus possible d'aller vers quelque chose de plus responsable et de plus écologique. Après, il y a aussi, dans la biodynamie, je pense que vous apportez une
une facette en plus de sensibilité qualitative. Mais c'est des évolutions très, très personnelles et très individuelles. Pour moi, il y a presque autant de biodynamie pratiquée que de vignerons qui la pratiquent, parce que chacun va avoir sa vision de la pratique. Et puis, il y en a qui vont le faire très, très techniquement, très intellectuellement, basiquement. Et puis, il y en a d'autres qui vont aller chercher un peu plus, peut-être, le côté... ésotérique ou spirituel, même si c'est un mot toujours un peu difficile aujourd'hui, mais les deux sont justes. Ouais. Les deux sont des choix d'avoir des pratiques saines. Donc et puis chacun suit son chemin. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné ? Il faut comprendre, l'enseignement est un enseignement matérialiste et c'est un enseignement, je dirais, qui va contre l'esprit de l'appellation contrôlée. C'est-à-dire, on nous a enseigné désherber. Très bien. On ne vous dit pas qu'en désherbant, vous tuez les micro-organismes du sol. On ne vous dit pas qu'aucune racine de plante ne peut se nourrir du sol sans micro-organismes. Donc au bout de 5-6 ans de désherbant, il n'y a plus de croissance. Donc on met des croissances artificielles sous forme d'engrais chimiques, ce sont des sels. Prenez une cuillère de sel, vous avez soif. Et bien de la même manière, l'engrais chimique, les sels chimiques, forcent la plante à boire. Donc il y a une croissance à base d'eau. Oui. Donc ça déséquilibre la plante. Comme la plante est déséquilibrée, les produits traditionnels, soufre et cuivre, qui à petite dose ne sont pas du tout nocifs, ce sont des engrais. En Espagne, on vient d'enregistrer du cuivre comme engrais. Donc une grosse dose de cuivre est dangereuse, une petite dose de cuivre n'est pas dangereuse. Donc on a présenté ça comme dangereux, c'est faux. Et avec le soufre et le cuivre, une plante gorgée d'eau, c'est pas assez fort. Donc il y avait les maladies. Donc on a inventé un drame terrible, efficace, mais terrible. Ce sont les systémiques. Ces molécules de synthèse qui rentrent dans la sève et qui interdisent la maladie. Mais la sève, c'est quoi la sève ? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est l'organisme qui capte la climatologie. Donc avec un désherbant, on a cassé ce qui permet à la racine de se nourrir de la géologie. Et avec le systémique, on a affaibli le système qui permet de prendre le climat et de le mettre sous forme de goût. Donc le raisin n'avait plus de goût. Il y a la récolte, oui, elle est sauvée, oui, bravo, mais elle est atypique. Oui, oui. Donc on a inventé, je respecte, mais pour moi c'est terrible, on a inventé les molécules de synthèse qui donnent des goûts, des levures aromatiques qui donnent des goûts. Il y en a plus de 300. On peut choisir le goût de cassis, le goût de schiste, oui, tout ce que vous voulez. Hein. Ça donne le goût. Et je veux dire, ce goût n'est plus le goût du lieu. Donc, et en plus, ces levures sont souvent fabriquées par génétique. Donc, on arrive à avoir deux familles de vins. Le consommateur a le droit de choisir, ça je respecte. Oui, oui. Mais la première famille de vins, c'est un vin qui exprime l'appellation contrôlée à un bout. Et à l'autre bout, c'est le vin qui n'a pas... La vigne n'a pas pu se lier au lieu... géologie, climatologie, et on fabrique légalement, parce que c'est légal mondialement, on fabrique un bon vin apatride. Moi, j'ajoute que probablement ce vin a perdu ses forces de vieillissement, au moins en partie. Donc, maintenant, le consommateur, il se rend compte que s'il prend un vin chilien, s'il prend un vin brésilien, s'il prend un vin californien, s'il prend un vin français... Parfois, c'est le même goût. C'est alors, il y a un retour extraordinaire vers la vérité du goût. Et l'outil le plus performant
pour la vérité du goût, c'est la biodynamie. Pas la biodynamie, achetez mon vin, je suis en biodynamie. La biodynamie comprise, la biodynamie approfondie, la biodynamie où un être humain se met au service du lieu. Ça, c'est un résumé un peu long. Non, c'est mais, parfait. Mais de la situation actuelle. Et il y a un test pour le consommateur. Moi, je respecte beaucoup le consommateur. Le consommateur est un néophyte qui veut se faire plaisir très souvent. Oui, oui. Quel est le test ? Vous achetez une très bonne bouteille de vin conventionnel fait par un très bon œnologue. Je ne vous donnerai pas de nom, mais j'ai encore un nom très célèbre qui est passé il y a 15 jours. Et puis vous achetez une bouteille de vin en biodynamie bien faite, d'un bon lieu à vigne. À l'aveugle, on prend des notes, on goûte le 1, le 2. On rebouche, pas de frigidaire. Pas de système pour enlever l'air. On reprend 2 jours après. On reprend 5 jours après. On reprend 10 jours après. Un vrai vin est meilleur au moins 8 jours après. Oui, un vin, au moins, j'ai un exemple sur un an. Un an. Et le vin parfait, parfait, parce qu'ils sont très bons et parfaits, mais apatride, il n'a pas le goût du lieu, il a un goût fabriqué, flatteur pour le consommateur, bravo. Mais je veux dire, c'est plus l'appellation contrôlée. Et donc c'est une destruction de l'appellation, un affaiblissement de l'appellation contrôlée. Ce vin-là, au bout de 2 jours, foutu. Bonjour, bonjour. Allô. Voilà, un peu. Tout petit, hein. Ah oui, c'est bon. J'ai une pièce derrière où j'ai des cuves à chapeau mobile. C'est pas grand, hein. C'est 400 litres et 500 litres. Voilà, c'est bien, hein. Dans la biodynamie. Oui. Vous avez compliqué. Vous avez étudié Rudolf Steiner. J'ai lu d'abord ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'a conduit vers la biodynamie avec passion? Je n'en sais rien. On dit je le fais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière je? Je voudrais savoir. Bon, mais pour moi le destin est une force extraordinaire. C'est ce que les Asiatiques appellent le karma. Oui, oui, magnifique, oui. Le karma. Bon, je n'y connaissais rien. Les premières années étaient très difficiles. J'ai vraiment eu peur de perdre la récolte. Et puis c'est passé. Et plus vous avancez, mais vous faites des bêtises. Hein. Bien sûr qu'on fait des bêtises. Oui, oui, oui. Et au début. Ah, au début, oui. Même un peu après. Même aujourd'hui. moins. Mais peut-être. Mais la nature vous pardonne si vous voulez mettre toute votre existence, votre vie humaine à son service. La nature pardonne facilement les erreurs de quelqu'un qui cherche. La nature pardonne moins facilement celui qui arrive comme un dictateur. Bon. Mais on peut toujours aller plus loin. C'est ça qui est magnifique, d'ailleurs. Une astuce que je vous donne, que j'ai retrouvée après dans Steiner. Quand vous faites ce traitement qu'on appelle le 500, qui va agir sur la vie du sol et sur l'activité des racines. Là, maintenant, il y a plein de photos qui montrent que ça a des effets très forts sur l'activité du sol. On est viticulteur. Je n'ai pas envie de faire pousser l'herbe. Donc, vous faites une tisane de feuilles de vigne. Si vous faites votre 500 assez tôt, il faut garder des feuilles de vigne séchées. Il n'en faut pas beaucoup, 5 ou 6. Hein. Vous faites une tisane et vous mettez ça dans votre préparation.
Et là, vous dites à la vigne, ce 500, il est pour toi. Vous avez fait un lien entre la préparation et l'entité de la vigne. Donc, ça, c'est des petites astuces qui sont importantes. Quand vous dynamisez, la dynamisation, c'est un vortex. Le vortex, c'est une périphérie qui va de plus en plus vite, de plus en plus vite, et qui devient un point. Donc, c'est de l'intangible qui devient tangible. C'est une tornade, finalement, où le vent devient dévastateur. Il faut surtout être très présent dans ce vortex, pendant que ça se passe, vous, apportez vos forces de cœur, apportez votre volonté. Madame Barre, qui était la mère de Paul Barre à Bordeaux, qui est la première à avoir commencé la biodynamie à Bordeaux, disait, vous savez, moi, j'avais plus la force de dynamiser à la main. C'est vrai que c'est long, c'est fatigant. Maintenant, moi, j'ai des machines. Mais elle disait, dans mon vortex, je chantais. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut arrêter de faire des vins, je dirais, linéaires. Chaque créativité de l'homme doit être une créativité. Oui, oui. Chaque créativité de l'homme, je dirais, ça va s'exprimer dans un vin. Et après, la manière dont on note les vins, ça me fait peur aujourd'hui. Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est large? Comment est l'acidité? Et on note tout. Moi, j'ai dit, parce qu'une fois, je défendais un viticulteur à qui on avait refusé l'appellation, alors que son vin était très intéressant. Donc, on a eu une réunion avec le comité, cette effroyable administration d'aujourd'hui. J'ai dit au monsieur, très raisonnable, très sage, qui me disait, mais regardez tout ce qu'on a fait, oui, oui. Avec bonne foi. Je lui dis, monsieur, est-ce que vous êtes marié? Il me dit, oui, pourquoi? Je dis, monsieur, j'espère que vous n'avez pas choisi votre femme avec la même approche. Sans ça, vous seriez divorcé. Vous voyez ? Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, c'est ça qui manque. Vous voyez ? Bon. Et l'industrie des produits chimiques. C'est terrible. L'industrie des produits chimiques. Elle a un direct. Elle rend les producteurs. Dépendants. Dépendants. Dépendant. Mais, sans agressivité, regardez tout ce qui s'est fait. L'industrie du produit chimique, elle a commencé par dire « Oh, le soufre et le cuivre, c'est pas bien », parce qu'elle savait qu'en agriculture vivante, il le fallait. Ils ont créé après les Master of Wine. Ça coûtait très cher. Comme le dirait De Gaulle, c'est des gens qui savaient tout, mais qui ne comprenaient rien. Et quel est... en profitant qu'il n'est pas là, quelle est l'importance de Nicolas Joly dans ce monde? Dans le monde de la biodynamie? Oui. Alors, je pense qu'il fait partie des figures importantes. Mais c'est aussi quelqu'un de très, même au sein de la biodynamie, d'assez controversé, parce que c'est une grande personnalité, parce qu'il exprime ses convictions à 100% sans filtre. Et il y a ceux qui adhèrent et ceux qui disent « mais il est fou, ça va trop loin ». Donc il y a les deux. Mais certainement, il fait partie des figures de la biodynamie et il fait partie des personnes... qui ont fait que la biodynamie ait pris cette ampleur aujourd'hui, au moins en France. Pendant des millénaires, la vigne n'avait pas de maladie. Oui, oui, oui. Les maladies sont arrivées depuis 100 ans, avec d'ailleurs le phylloxéra. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vigne se reproduit mal par sa graine, donc c'est beaucoup plus simple. Vous prenez un bois... et vous le mettez en terre, et il pousse.
J'avais récupéré des pépins de raisin dont je fais du compost. J'ai pris le compost, je l'ai mis dans une petite serre qui est là. Et puis j'ai vu 4 pieds de vigne pousser. Très bien. Et je les ai laissés pousser. Alors, une vigueur, une force incroyable. C'est à 4 mètres de hauteur en un mois et demi. Ça passe à travers une petite fissure du verre, ça grossit, ça casse le verre. Je me suis dit, cette force, il faut la retrouver. Et donc, j'ai gardé ces bois, j'en fais tous les ans maintenant, depuis 2 ans. Je les mets en terre et je les fais raciner. Mais ce sont des bois qui sont passés par une graine. Et quand vous passez par la graine, vous repassez par les forces du cosmos. La graine n'est rien. La graine, c'est juste un récepteur qui accueille la force cosmique. Et ça, alors après il peut y avoir interférence à la fleur, ça je m'en sers comme porte-greffe. Et je vais greffer mon chenin dessus. Et je pense que là, ce porte-greffe a tellement de vie qu'on va, en gardant la spécificité du chenin, on va éliminer toutes les maladies. Parce que les expériences qui sont faites par l'INRA, par Bordeaux, par la génétique, par l'hybridation... Oui, mais on perd la vigne. C'est plus de la vigne, ou c'est moins de la vigne. Ça, c'est la partie la plus ancienne, 12e siècle. Et le fond, et là, c'est la partie du 15e siècle. Et on va voir les cellules des membres, c'est joli. Il y a des schistes partout, hein. Des schistes. Oui, partout. Ici, c'est que du schiste. Sur 150 mètres de profondeur, du schiste. C'est pour ça qu'on a un problème d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est très difficile de trouver une veine d'eau. Voilà, ça, c'était les petites cellules des moines. Ils n'étaient pas très nombreux, hein. Il y en avait une dizaine. Hein. Une dizaine? Ouais, à peu près. On ne sait pas bien, parce que les informations sont un peu parties. Mais c'est une époque où on construisait au fond des vallées pour se protéger des tempêtes, etc. Aujourd'hui, on construit au sommet. C'est pas la même chose. Moi, j'ai habité ici 40 ans, c'est merveilleux, c'est habité, il se passe quelque chose, c'est fort. La maison en haut est très belle. Il n'y a pas du tout la même force. Pas du tout. Et voilà, c'est joli. Bon. Moi, je me souviens à Chios. J'avais été avec mon importateur... Une petite île grecque. Hein. J'avais été avec mon importateur italien. Et on avait vu des gens qui plantaient de la vigne. Homère disait, c'est le meilleur endroit pour la vigne. Je leur disais, vous arrosez la vigne? Jamais, monsieur. Il n'y a pas d'eau entre fin mai et octobre. Sauf une histoire que je vous raconterai. Et je me suis dit, mais là, vous voyez, aujourd'hui, on arrose des jeunes pieds de vigne. Mais autrefois, on ne faisait jamais ça. Donc, la vigne a perdu sa force à force d'être produite par le bois. Et repasser par le pépin, c'est à nouveau un lien au cosmos. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Alors, l'histoire que je vous raconte, à Chios, j'avais voulu commencer la biodynamie. Une période où j'étais un peu fou de la biodynamie. Donc, on dynamisait. On était 3, 4. Il y avait mon importateur, moi, et 2 Grecs. Et il y a une vieille histoire qui dit « Quand sur un lieu, on commence pour la première fois la biodynamie, il se met à pleuvoir. » Et je dis ça, c'était dynamisation manuelle, hein.
Alors je dis ça aux Grecs et les Grecs se marrent. Ah Nicolas, tu peux y aller. Ici, entre le mois de mai et le mois d'octobre, il n'y a jamais d'eau. On dynamise. Au bout d'une demi-heure, je vois un nuage. Je vous jure que c'est vrai. Et Luca Gargano, mon importateur, peut le témoigner. Il approche, on termine. Il pleut massivement pendant 10 minutes. Le lendemain matin, je retrouve mes deux Grecs. On ne veut plus t'a parler, ta magie noire nous fait peur. C'est fou, hein ? Ouais, oui. Et c'est une histoire vraie. Donc, ça montre combien la biodynamie se nourrit du subtil, de forces subtiles. Et je dirais, c'est ça, c'est toutes ces forces qui donnent vie à la Terre. Et j'en profite là pour ajouter quelque chose de grave. On nous parle de la pollution du CO2. Aucun scientifique sérieux aujourd'hui ne confirme certainement la pollution par le CO2. Les vraies pollutions sont hertziennes. Quand vous mettez des milliers de satellites sur la Terre, au-dessus dans les couches de la Terre, ça bloque la descente du Soleil. C'est ça le vrai changement climatique. Le Soleil, il arrive par des fréquences et des longueurs d'onde cosmiques. En saturant l'atmosphère avec des milliers de satellites, on crée un blocage, la Terre devient autonome, probablement commence déjà à modifier ses polarités magnétiques, mais les vraies pollutions sont hertziennes par les satellites. C'est très pratique pour le GPS, pour tout ça, mais il faut comprendre que ces ondes qui à la fin sont millimétriques tellement elles sont serrées, créent un barrage entre les forces du Soleil et la Terre qui doit recevoir ses énergies. La vie n'appartient pas à la Terre. La vie est donnée à la Terre parce qu'elle est un membre du système solaire. Et le vrai danger aujourd'hui, pour moi, il est là. L'être humain va finir la Terre. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. Et je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas archi sûr que la biodynamie soit suffisante pour contrebalancer cette asphyxie de la Terre par rapport à ces pollutions hertziennes. Juste la 5G, c'est des ondes millimétriques, c'est comme si vous mettiez un grillage. C'est des choses graves. Pour le moment, par la biodynamie, on arrive encore à faire descendre, à faire passer à travers ces mailles serrées de pollution hertzienne la vie. Mais quand je vois là Elon Musk qui veut rajouter 1500 satellites encore dans l'atmosphère. Dans les 49 satellites qu'il a envoyés, je crois, entre la mi-février et le début de mars, 9 ont été détruits par les éruptions solaires. Ça, c'est très intéressant. Oui, oui. Et l'optimum des éruptions solaires, c'est en 2025. Donc peut-être que les forces solaires seront assez fortes pour arrêter, je dirais, cette pollution qui est considérable et grave. Et derrière, vous avez toute une pratique industrielle. Quand vous avez moins de vie, il y a plus de maladies. Il ne faut pas lutter contre la maladie. Il faut augmenter les forces de vie. Ça, c'est la biodynamie. Le phylloxéra, c'est juste une déficience de force de vie. Il ne faut pas interdire le phylloxéra. Si vous tuez le phylloxéra, c'est une autre maladie qui va venir. Quand il n'y a pas assez de vie, la maladie arrive. Et plus vous interdisez la maladie, plus les maladies sont pernicieuses. On le voit en médecine, d'ailleurs. Oui. Donc, il y a la lutte entre deux mondes, actuellement. Et c'est très important de donner à la jeunesse le message d'une autre approche de la vie. Après, je trouve que la liberté de l'homme est ce qu'il y a de plus important. Donc, laissons les gens choisir, mais donnons-leur une compréhension des alternatives possibles. Ouais. Alors, ah, c'est qui arrive ? C'est Vincent. Ah, c'est Vincent avec des amis, je crois. Les marchés dominent le monde. Hein. Bien entendu. L'argent domine le monde. Et c'est là où je remercie le destin
de m'être fait passer 4 ans dans le système bancaire. On était très bien traités il y a 50 ans. Hein. On était très bien traités, il y avait beaucoup plus d'humanité que maintenant. Mais ça m'a permis de comprendre tous ces rouages. Regardez sur le blé, avec la peur de la pénurie de blé, les prix ont doublé. J'ai des agriculteurs près d'ici, des petits agriculteurs très respectables, qui ont vendu leur blé à un certain prix pour 2022 et 2023. Oui. Tout ça, oui, c'est ça, mais c'est tout le marché. C'est tout le marché, mais même pour utiliser les produits chimiques. Oui, bien sûr. Pour produire plus. Oui, oui. À mauvaise qualité. Oui, c'est pas grave. Au contraire, oui. La mauvaise qualité. Dans la nourriture, vous ne mangez pas la matière, vous mangez les forces qu'elle contient. Donc ces forces, je dirais, s'il n'y en a plus, vous êtes en moins bonne santé. Moins bonne santé, c'est un jackpot pour l'industrie phytosanitaire et pour l'industrie chimique. Regardez les ventes de Pfizer sur les vaccins, tout ça. C'est plus l'être humain est faible, plus l'industrie pharmaceutique domine le monde. Travaille avec Virginie. Oui. Vous avez combien de filles? J'ai un fils et une fille. Virginie, elle a travaillé ici, vous lui demandez, mais 15 ans peut-être. Hein. 15 ans. Ah oui. Donc maintenant, elle a pris. Elle comprend. Sirène, va vite. Allez vite, file. Pardon pour cet intermède. Allez vite, allez, va vite. Allez. C'est cette atmosphère. D'abord, c'est bien de l'avoir dans la jeunesse. Mais votre fils... Vincent, il est là à mi-temps. Il a le matin. Il a une autre petite entreprise où il fabrique des mesureurs de champs hertziens, des mesureurs de détecteurs de radioactivité, des mesureurs de haute fréquence. Donc, il est là à peu près à mi-temps. Bonjour. Bonjour, plaisir. Bon, oui, il enregistre un peu, oui. Beaucoup. Vous utilisez les médiateurs de... Je dors dans un endroit. Je ne veux pas dormir dans un endroit où il y a une pollution hertzienne. Je ne veux pas dormir dans un endroit où il y a les... ces champs pour l'ordinateur, tout ça. Moi, je ne peux pas dormir. Je suis allergique à tout ça. Mais j'utilise pas beaucoup. J'utilise un peu la radiesthésie, oui, un peu. Chaque être humain est différent. Chaque être humain naît avec une richesse intérieure, et c'est cette richesse qu'il faut développer. Et la somme de toutes ces richesses est très utile en globalité. Vous voyez, c'est un organisme. Donc, ça doit pas être un acte individuel, il faut avoir d'autres gens, parler, mesurer les choses, à quel moment vous allez faire un traitement contre une maladie, tôt, tard, pourquoi. Alors, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit groupe. Mais après, chacun a son sentiment, et Virginie est très utile hein, sur le lieu. Elle arrive un matin avec une idée, moi j'en ai peut-être une autre, on discute, on voit ce qu'on fait. Quand déterrer les préparations en biodynamie, par exemple, quand les faire. Là, vous voyez, la préparation ortie, on ne l'a pas encore déterrée, on va le faire sans doute la semaine prochaine. Mais vous voyez, regardez un joueur de tennis. Oui. Ah, monsieur, vous avez pris la balle un peu en arrière. Et pourquoi vous ne l'auriez pas pris un peu plus tôt ou un peu plus tard? Merde, laissez-moi jouer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça, c'est du ressenti. Oui. C'est du ressenti. Il faut qu'il y ait plusieurs ressentis sur un lieu. Et on parle de passer cette connaissance. Voilà. Et chez vous, c'est plus facile de les passer. Oui. Ça. Mais plus vous vieillissez, plus vous regardez derrière, et plus vous vous dites « j'ai eu beaucoup de chance ». Oui. Et après, moi je dis « on est dirigé hein. ». Sur les grandes lignes de la vie, on est dirigé.
Mais le monde change et vous avez toujours des gens jeunes qui vont apporter leur pierre, qui vont apporter leur connaissance. Donc, c'est une minorité, mais la minorité est suffisante pour trouver une autre direction. Là, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Le système capitalisme, on vit tous du capitalisme, il est excessif et il est en train de s'auto-détruire. Donc, il faut trouver d'autres formes. Et là, Steiner, avec l'anthroposophie, a donné beaucoup de pistes de réflexion qui sont extrêmement utiles. Donc, c'est le monde en mouvement, voilà. C'est le monde en mouvement, oui. Et vous croyez que Virginie, toujours, elle met sa pierre aussi? Oui, bien sûr. D'abord, je vais vous dire, un être féminin ne raisonne pas comme un être masculin. Oui, c'est différent. La femme, elle est... Regardez la Loubise, la femme est toujours très intuitive. Oui. Nous sommes des cartésiens. Oui. Vous voyez? Donc, les deux sont utiles. Sur le même lieu... avec la même compréhension, le même niveau de biodynamie, un vin fait par une femme ou fait par un homme ne sera pas le même vin. Oui. C'est-à-dire, on n'aura pas catalysé les mêmes forces sur la vigne. C'est là où ça devient artistique. Vous voyez, c'est là, la biodynamie, c'est un art agricole. Et même en agriculture, pas en viticulture, quand vous avez un légume qui est fait par la biodynamie, il est plein de forces vitales qui vont vous guérir. On se guérit par ces forces cosmiques que les pollutions hertziennes ralentissent. Mais c'est par ça qu'on se guérit. Donc, je vois, moi, un appel de la Terre sur beaucoup de gens jeunes, très intéressants. Des gens qui arrivent, qui disent « je veux mettre ma vie au service de la Terre ». Ça, je trouve ça très intéressant. Et c'est... chaque fois, il y a plus de gens qui... Les fils ne vont pas suivre ce travail. Oui. Et ça, c'est dommage. Hein. C'est dommage, mais les deux. Vous voyez ça, mais vous voyez aussi le fils qui reprend, ou la fille qui reprend un vignoble et qui dit, moi maintenant... Comme vous, comme vous. Oui, mais il dit, je passe tout en bio, je passe tout en biodynamie. Mes parents ne voulaient pas, mais pour moi, c'est une évidence. Oui. J'avais vu une... Oh, il y a 10 ans, peut-être. Je regarde par la fenêtre, je vois une fille assez jeune, qui marchait très vite, dans les vignes, partout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive ici, une force de volonté, de feu. Ah, monsieur, voilà, j'ai mes parents ont, je ne sais plus beaucoup, 100 hectares en Afrique du Sud. Je veux changer tout ça. On parle avec elle 2 heures, elle repart. Un an après, j'étais en Afrique du Sud. La voilà qui revient. Tout le domaine est en biodynamie. Vous voyez, elle a reçu ce message. Mais ça, c'est le karma. Le karma, je dirais, c'est des vies qui vous dirigent. Hein. C'est des choix de vie. La clé de tout ça, est-ce qu'il y a, pour les gens, est-ce qu'il y a quelque chose avant la naissance, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Si vous dites oui, bien sûr, il y a quelque chose avant la naissance et après la mort, vous comprenez tout ce cycle de vie. Hein. Bon. Et après, il faut faire attention parce que vous avez des gens... qui tombe un peu dans un ésotérisme pas très clair. Si. C'est un danger. Oui, c'est un danger. Ça. Une chose très importante, la présence du monde animal. Ici, j'ai les vaches, j'ai les chèvres, j'ai les moutons, j'ai les ânes, j'ai les chevaux. C'est pas de la publicité. Le monde animal, il est au-dessus du monde végétal. Le monde animal, pour la plante, l'animal, c'est un règne supérieur, comme l'ange est un règne supérieur à l'homme. Alors, à l'hiver, on laisse les moutons, mais la présence, je ne dis pas seulement le fumier, la présence sur une propriété du monde animal, c'est comme rajouter des cordes à un instrument de musique. La musique est plus profonde. Donc, très important. La diversité végétale, très importante. Arrêtez ces imbéciles de clones qui sont tous le même. Si vous êtes 5 amis à voyager, vous allez vous parler. Si vous êtes 5 fois le même, vous ne direz rien. Un clone, c'est pratique industriellement, mais c'est un imbécile. C'est tout le même, il est prêt en même temps, il sort en même temps, il fleurit en même temps, il se récolte en même temps. C'est absurde. Donc arrêtez le clone, ça c'est très important.
Essayez de garder au maximum vos vieilles vignes. Là, j'ai des vignes qui ont 60 ans. C'est compliqué parce que à partir de 30-35 ans, quand il y a un pied de vigne qui est mort ou qui est arraché par un animal, si vous complantez, il pousse mal. Vous croyez que c'est l'avenir et ces retours à la nature Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Je constate qu'il y a des gens viticulture très connus qui passent ici de plus en plus. Et ils passent parce que le marché du vin parfait et apatride est en forte baisse. Donc la demande pour du vrai, et après, il ne faut pas agresser, mais c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Beaucoup de vignobles sont prisonniers de leur rendement. Je vois un vignoble dans une région connue de la France qui, pour 50 hectares, avait 100 salaires. Si vous avez 100 salaires pour 50 hectares, vous êtes obligé d'avoir des rendements très élevés et vous êtes obligé d'avoir de très bons œnologues pour que le vin ne soit pas nul à la sortie. Donc, le marché change, c'est évident. Ma génération, moi je suis âgé, hein, 77, le marché change. Ma génération veut encore des vins conventionnels. Mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, est très sensible à l'étiquette et au goût. Oh, comme c'est bon! Attends, c'est bon, mais ça n'a rien de vérité, c'est un goût artificiel. Donc, ce marché, il décline. La demande pour les vrais goûts et pour l'émotion est en forte hausse. La conversion sera difficile pour une raison d'argent. Parce que faire un vrai goût, ça implique quand même des rendements plus petits, donc des rentrées moins grandes. Il y a un vrai problème économique. Mais je pense que c'est en marche. Et globalement, on va vers des problèmes économiques mondiaux graves. Parce qu'on peut dire, la finance mondiale est en faillite. Oui. Elle ne marche que par les artifices. Mais à un moment, les artifices vont tomber. Et je pense qu'on a plus de chances de perdurer en faisant des vrais produits qui manifestent un lieu, qui sont thérapeutiques. Parce qu'un vrai produit est thérapeutique. Je pense que les autres, ça va être difficile. C'est pas vrai pour tout le monde, il faut manger, ça va être difficile. Quand vous voyez des endroits où vous avez des élevages de cochons sur 10 étages dans des immeubles, le cochon va faire des maladies où c'est impensable. Quand vous voyez la grippe aviaire en France qui arrive à toute vitesse, mettre 30 000 poules sur un demi-hectare, ça ne sera plus possible, il y aura trop de maladies. Là, malgré les antibiotiques, toutes les maladies arrivent, donc à un moment, l'antibiotique n'est plus assez fort. La seule issue, c'est revenir à la vraie compréhension de la vie en agriculture, en viticulture, en élevage, certainement. C'est moins rentable, mais c'est quand même ce qui permettra de nourrir les gens sainement. Voilà. Ouais. Et vous êtes optimiste ? Hein ? Vous êtes optimiste ? Je pense que l'homme a toujours appris par la douleur. Et je pense qu'on va prendre une énorme raclée. Raclée, c'est le terme argot pour dire être descendu. Je pense qu'on va vers des drames graves. Mais je vais vous dire, tout ce que je dis là, finalement, c'est ce que j'ai compris en 50 ans. Hein. C'est important pour des jeunes parce qu'ils n'ont pas de repères. Vous voyez, si vous allez dans un pays, vous n'avez pas de carte, vous ne savez pas où il y avait des routes, vous êtes perdu. Donc, chaque personne peut attraper quelque chose et ça peut l'aider. Ce qui est difficile, c'est comme pour un moteur, c'est le démarrage. Oui, une fois que le moteur marche, ça va, on cherche. Mais le début est toujours difficile. Mais vous êtes optimiste. Je suis certainement optimiste sur le fait qu'avec le temps, la vérité triomphera. On est à un moment, beaucoup de choses sont fausses, mais
quand quelque chose est faux, il s'auto-détruit. Donc on est au moment, on va voir beaucoup de choses peut-être disparaître, mais ça va permettre un retour à quelque chose de très élevé. Donc, le climat est grave. Est grave. Je dirais le... On a du temps encore, dirais-je. Ouais. Ouais. Je... En tout cas, chaque être humain, même jeune, a son rôle à jouer maintenant. Sûrement. Sûrement. Je vois peu à peu, depuis 15 ans, des drames potentiels naître. La finance mondiale est une catastrophe, la compréhension de la santé est une catastrophe, le domaine social ne va plus du tout. Bon, mais je veux dire, si vous construisez une maison et qu'elle s'effondre, je suis sûr que quand vous reconstruirez une deuxième maison, vous ferez attention à ce que les fondations soient de bonne qualité. Oui, oui. Voilà comment je peux être optimiste. Super. Ok. C'est ça. Sûr que cette vignoble, il y aura. Oui. Il y aura un avenir. Oui, oui. Il y aura un avenir. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Peut-être réduire un peu la taille, peut-être, en fonction de l'évolution des choses. Mais oui, oui, bien sûr, oui. Bon, je ne sais pas faire autre chose, de toute façon. Je suis là pour faire du vin, donc je continue à faire du vin. Bueno, Nicolás, yo leí un referente, obviamente, de la biodinamia. Tuve la oportunidad alguna vez de conocerlo y de estar con él en una charla en Australia, el 2004, mucho tiempo atrás. Y yo creo que es una persona comprometida con esa filosofía que la ha empujado mucho. Sus vinos, obviamente, hablan por ese compromiso. Y yo creo que los pioneros y la gente con convicción, yo respeto mucho. O Nicolás Jolie mudou a minha vida e a minha percepção, meu entendimento a respeito de vinho, quando lá em 2005, se não me engano, pelo menos por volta disso, eu participei de uma degustação na Casa do Porto com 8 vinhos dele. Tinha o Clos de la Bergerie, o Vierclos e o Clos de la Colette de Serran. E esses vinhos todos tinham sido abertos. Eu não conhecia ele, nem tinha ideia de quem ele era. Quem me alertou foi inclusive o Luiz Ota, que eu acabei levando junto comigo na degustação, que tinha feito o primeiro artigo a respeito de Nicolás Jolie no Brasil para a revista Gula na época. Então fui lá, conheci essa figura, ganhei até dele na ocasião. Eu e o Ramatiz estava junto comigo. Nós ficamos tão assim impactados e houve uma sinergia tão grande entre a gente, que hoje somos amigos, que ele me deu uma pedra lá de Savenier, que ele trouxe, ele me deu, está lá em casa. Por que isso mudou minha vida? Mudou minha vida porque tomar um vinho blanc, um branco, lá ele faz Chenin Blanc, tomar um vinho branco aberto um dia antes, ele abriu as garrafas um dia antes, ele recomenda 7 dias antes, para você ter ideia. Ele acha que é o auge do vinho dele. E servir esses vinhos na temperatura ambiente, para mim foi uma coisa tão inusitada, mas mais ainda foi quando eu provei essas maravilhas. Todos maravilhosos, um diferente do outro. Para mim, um antes e depois de ter conhecido Nicolás Jolie, para realmente compreender o efeito dos astros do cosmos e como influencia na natureza, como influencia nas marés, como influencia na vida e realmente produce frutas e vinho verdadeiro, vinhos únicos, vinhos singulares. Aprendi a trabalhar cada garrafa através de decantação,
com 2, 3, 8, 10 horas, 2 dias, 1 semana, realmente várias safras no corpo e no paladar, e principalmente no coração e na alma. A biodinâmica é uma forma de agricultura incrível, porque permite que nós entendamos melhor a natureza, e isso é fundamental para criar um vinho cada vez melhor. Foi para mim um estopim em muita coisa que eu já acreditava, já compactuava. Eu tive uma criação em casa, né, da minha mãe principalmente, que sempre foi uma pessoa muito transcendental, vamos dizer assim. Aplicava reiki, fazia floral, meu nome Ramatiz obviamente vem daí também. E ela sempre lidou com a vida dentro de casa e com a gente da mesma forma que eu acho que a biodinâmica lida na agricultura. É uma condução, é uma orientação, mas não é uma intervenção. É uma forma de encarar a vida como um todo, sem fragmentar por partes. A integridade do elemento é por si só a razão de ser, né? É muito importante. Então, quando eu conheci ele, foi um choque, porque obviamente já trabalhava na área, já trabalhava com vinho, mas eu estava me deparando com uma realidade que não me trazia mais muita esperança, que eram os vinhos todos iguais, tudo muito parecido, sem personalidade. Eu não sabia dizer de onde que era. Obviamente que a gente muitas vezes sabe dizer qual é a uva, mas a gente não sabia mais dizer região, nacionalidade, muito menos quem tinha produzido. E foi num desses momentos que eu tive essa epifania na presença do Nicolas Joly, porque ele é uma pessoa realmente que brilha, tem uma aura completamente colorida, e é o tipo da pessoa que você não tem vontade de falar, só tem vontade de ouvir. O que se poderia falar do Nicolas Joly no meio de um vinhedo, no meio do escaldão que está acontecendo aqui em Portugal? Provavelmente isso que está acontecendo em toda a Europa, com esses calores excessivos, tem a ver com o abuso que o homem cometeu com a natureza. Com o Nicolas se descobriu que para se fazer vinho, a uva é o suficiente. E também com ele eu descobri que o que tem de mais importante dentro de uma garrafa de vinho é o respeito que se tem pela natureza, pela fruta, pela terra. Nicolas Joly è stato il padre della biodinamica, e della biodinamica significa di un'agricoltura naturale, di un approccio naturale con la terra, con le piante e con l'ambiente, con gli ecosistemi. Questo approccio ha portato, ha tracciato una strada, che è la strada dell'agricoltura, dell'agroecologia, delle tante agricolture naturali, perché non esiste un'agricoltura naturale, ma quello che esiste è un rapporto di forte sintonia e di osmosi tra uomo e natura. E oggi come oggi è l'unico modo di produrre cibi sani e nutrienti, non esistono altre modalità. E questo è molto importante. Dobbiamo parlare, abbiamo bisogno di gente che parli che guardi all'agricoltura in modo diverso, che parli di agronomia e di approccio alla terra in modo completamente diverso. Abbiamo bisogno di gente che vada in vigna e che canti e che danzi tra le vigne. Di questo abbiamo bisogno, perché significa stabilire un rapporto molto stretto col mondo e con la natura. Questo è un modo di stare al mondo. Question, êtes-vous optimiste? Très juste. Et juste. Tout ce que je viens de lire là est catastrophique. Bon. Si les taux en France, si les taux d'emprunt augmentent de 1%, ça coûte 40 milliards à la France.